Yadeneko. Oh oh, oh, calmez-vous. Oh putain, Bioshock. On touche le point sensible, on touche le point G là. Oh, attendez, je reviens. Ok. Excusez-moi. Pas de soucis, pas de soucis. Ah, donc c'est promis, un jour je ferai Forbidden Siren en live, en dual avec Wendy's. Eh putain, t'étais censé roll toi. C'est surtout que j'ai pas le casque sur les oreilles. Alors sinon, mon premier jeu d'horreur est plutôt dans le mur, c'était Bioshock que j'avais acheté car un youtubeur que j'appréciais beaucoup à l'époque du nom de Super Brioche. Voilà. Bah, Bioshock, je sais plus. Je crois que je l'avais découvert grâce à un mec qui avait fait 2-3 vidéos sur Dailymotion. Mmh. J'avais vraiment apprécié l'atmosphère. Ouais, c'est l'ambiance assez oldie, c'est vraiment cool quoi. Et Bioshock. Alors, Centurion. Bioshock 1 et 2. Mmh. Infinite. Ouais. Ça change beaucoup, hein, je trouve. Il est bon, mais. Putain de moustique de merde. Oula. Eh hey, oh, il a tué quelqu'un en live, arrêtez-le. Arrêtez-le, il a tué quelqu'un en live. C'est au niveau des groupes de l'Onso. Le jeu est bien. Et oui, le jeu est bien. Bien sûr, bien sûr. Le jeu qui a fait. Donc, tu m'as dit oui pour Forbidden Siren. Hein. Non. Si. Bah, de toute façon, je le ferai en live. Quand tu le feras, je serai quand même là. À part si tu le fais quand je suis pas là. Mais... Non, non. T'es là, si tu me le dis et que je suis pas là, je te préviendrai de toute façon. T'es là. Ouais. Non, ça. Non, mais moi, pas... Forbidden Siren, ce qui me fait super flipper, par contre, je vais être honnête avec vous, les gars, c'est ce système de voir à travers les yeux de l'ennemi. Ouais, ça doit être bien. Bah, bien t'entends leur respiration, tout ça, quoi. Et puis, tu vois dans leur vision, tu vois, mais... Allez, c'est l'effet neige sur ta télé qui va pas bien, là. Ah, ouais, okay. Et t'as un niveau, voilà. En plus, t'as le son, hein. C'est pour bien te faire flipper. Oh, putain, quelle horreur. Moi, un niveau qui m'a fait super flipper à l'époque... Bon, anecdote vraie sur comment j'ai découvert Forbidden Siren. J'avais mes disques de démo PS2, je pense que j'avais au moins 30 boîtiers, un truc comme ça. Je l'ai collectionné, hein, franchement, j'étais... Bah, le PlayStation Magazine, hein, comme ça. Forbidden Siren, quand j'ai vu le jeu... Ah, un jeu avec des sirènes. Ça va être très marrant. Bah, j'étais une quiche en anglais, donc j'ai dit... Ah, ça va être un jeu. Ah. Ça va être un jeu mignon. Puis je vois l'intro. Une mer rouge sang. Bon, me dit, ouais, bon, elles ont leur règle. Bon, je me suis dit, ah, bon, c'est un peu glauque tout ça, bon. Ça sera peut-être illuminé durant le jeu. J'allume la démo. C'est deux filles, hein. Elles sont dans une école. Dans une salle vraiment toute noire, à peine éclairée par une lampe torche. C'est un peu le son du jeu. On n'entend presque pas. Et après, t'entends le gros zombie de merde qui passe à côté. Crois-moi, il a des bruits super bizarres. C'est genre... Ah ouais, oui, il est bien stressant. Ouais, ouais. Après, je commence la démo. Le premier mec, il est contre un mur. Tu dois passer derrière lui en longeant le mur de derrière. C'est genre, tu fais un pas de plus. Déjà, rien qu'en faisant ça avec le mur, tu l'effleures, hein, le mec. C'est incroyable. En entendant bien son bruit, bien glauque. Après, je vais dans une classe. La salle du professeur, t'as le putain de zombie. Bon, allez, hop. Je refais le niveau, tout ça. Je me suis dit, oh putain, je suis tombé sur quel jeu, là. J'ai quitté la démo, première fois, parce que bon, ça m'est traumatisé. Même temps, j'avais quoi, 10 ans, quand j'ai découvert ça. Alors, il y avait plusieurs niveaux proposés, hein, dont un où tu avais un fusil à pompe et que tu dirigeais quelqu'un. Je tue le mec, je te prie, mec. 5 minutes plus tard, je fais un aller-retour parce que bon, je cherche la fin du niveau. Il n'était plus là. Je le retrouve. Bah oui. Je le retrouve 3 mètres plus loin, il me tue. Non seulement ces bâtards, ils sont increvables, ils se relèvent très vite, mais putain que ça fait peur, quoi.
Bref, voilà, c'était mon anecdote sur Forbidden Siren. Et est-ce que tu veux savoir sur quel est le tout premier jeu sur lequel j'ai eu peur? Dis, vas-y. Tu vas rigoler, hein. Non, t'inquiète. C'est un jeu 64. Superman 64. Non. Banjo-Kazooie? Non, pas Banjo-Kazooie. Dis. Ça commence par un C. Un C. C'est une série que t'adores. Castlevania? Oui. Castlevania 64? Oui. Oh. Quand bah, écoute, tu sais, au tout peut-être... début du jeu. Bah oui, peut-être le premier niveau, ouais, avec l'ambiance de la forêt, les squelettes, tout ça, ouais, bon. Mais l'ambiance de la forêt, ça me gênait pas. Mais tu vois, en fait, je sais plus quand j'avais. Je crois que j'avais reçu Castlevania 64, c'était pour un Noël, je crois. Et parce que mon père, il avait fait Super Castlevania quand il avait. Arrêtez de parler de MGS. Bon, je rêve. Ouais, parce que sinon, hashtag. Non. Ah, entendu. Parce que tu vois, ouais. Meme Gear. solide. À cause de toi, je vais me faire assassiner, mon gars. Et j'ai rien dit. Je suis désolé. T'inquiète. Mais bon, oui, tu disais que... quoi, Castlevania 64, ouais, Castlevania 64, quand tu lances le début du jeu, ça va. Plus, j'aimais bien la petite atmosphère avec le gamin là, qui joue du violon. Mmh. Oh, c'est cool et tout. Je connaissais pas Castlevania. Je connaissais pas du tout la série Castlevania. Pour te répondre, Rist, j'ai fait que le premier sur PSP, de Corpse Party. Putain de merde, tu commences à me casser les couilles, hein, le moustique. Ah, c'est chiant. Bah, surtout quand il se met à frapper l'écran, parce que... de la lumière. Moi, je vais sucer l'écran. Donc, je connaissais pas. Mon père, il m'en avait déjà parlé, il m'avait dit, ouais, c'est bien, c'est vraiment un jeu que j'avais eu, j'avais adoré. Je m'étais dit, bon, vu que j'aime bien à peu près la plupart des jeux qu'il a eu sur SNES, je dis, bon, ok. Donc, je commence à jouer. Et vu que c'était le début des 3D, c'était la 3D un peu dégueulasse. Et au tout début, tu vois un villageois par terre qui est mort. Je m'attends à que le villageois il se relève. Ouais. Et en fait, je m'attendais pas à que ça soit le squelette qui se mette à bouger. Ça m'a tellement fait peur que j'ai arraché la N64 du meuble. Ah! Ah oui! Ah, en effet! Ah merde! Et du coup, tes parents ils ont dû t'organer. Non, même pas! Parce que la N64 elle était juste tombée, j'avais eu le temps de la rattraper. Ah! Loupé. Ah, c'est de la tuer? Ouais. Enfin, ouais. Le, ouais. Le, L ou L là. Ça va de moustique, voilà. Voilà. Sinon, j'ai vu que vous aviez parlé de. Quand vous parlez d'araignée, vous. Merde, comment il s'appelle ce jeu? Corpse Party. Oui, voilà, Corpse Party. Qui fait partie de mes. Corpse Party qui fait partie, oui. Si, il fait partie de ma liste de souhaits Steam. Parce qu'il est sorti sur Steam. Et je me suis dit, tiens, j'ai proposé parce que. Pour ceux qui fouillent un petit peu sur mon site. Sur les différentes descriptions de manga anime que m'a fait Lorla 8, il y a l'anime de Corpse Party. J'ai vu. Et je lui ai dit comme ça en rigolant quand le jeu était sorti, je lui ai dit ça t'intéresserait que je fasse un let's play sur Corpse Party? Il m'a dit ah bah oui. Après, je pense qu'il y a Corpse Party, il y a un épisode ou deux d'anime là, et il y a 4 OAV aussi. L'anime, il est. Bof. Hein? Je crois que le truc qu'elle avait regardé, c'était un truc en 4 épisodes, je crois. Oui, c'est l'OAV. Putain. T'as pas le gore, et ben ne regarde jamais ça. Ouais, elle m'en a parlé un petit peu. Oh putain, le dépeçage de la fille. Oh. Non, je préfère rien dire. Pourtant, même. Lorla 8, donc. Oui. Que je parle, elle, on va dire entre parenthèses, elle aime bien le gore. Oui. Parce que c'est, je t'en avais parlé, le coup du Another. Que elle m'avait fait voir la mort au parapluie et que elle était en mode. Oui. Voilà.
Bah, tu sais que même elle, quand sortie, ça l'a quand même un peu dégoûtée. Hein. Oui, il y a un passage, c'est absolument hardcore. Alors qu'elle aime. Pourtant, elle aime. C'est pas le truc qui la gêne trop, hein, Igor. Bah, je peux peut-être le dire, mais ne pas préciser. Sinon, on tombe trop dans le. Ouais, parce que bon, à un moment, t'as un enfant. En plus, c'est un enfant, hein, c'est ça qui est très malsain en plus, hein. Ah non, pas avec les enfants. Ah oui, et c'est une petite fille, hein. Ah non, pas les petites filles. Surtout dans Bah, les jeux d'horreur, pas de à un petites. moment, tu vois, elle se fait enlever par Jamais! un homme qui n'a pas de peau, simplement, hein. Oh non. Et quand on la retrouve, c'est un œil en moins, un bout de jambe, c'est. Oh non! Voilà. Et tu vois son massacre en direct. Oh! Voilà. Voilà. Juste ça. Et Ça veut dire que le c'est pire, trop beau. c'est dans le seiyuu, mon gars. C'est dans le seiyuu. T'entends bien que la petite fille, elle s'essouffle et qu'elle a peur en même temps. Oh non. Voilà, bon. Je pense que c'est assez précisé. Ouh. Non, mais. Si vous voulez vraiment un anime malsain, enfin des OAV plutôt malsains, Corpse Party, c'est fait pour vous. Hein. Franchement. Sorti, oui. Le pire, c'est que j'avais regardé ça à 3 h du matin, hein, je me souviens. Oh non, c'est le pire. Moi, ça n'avait fait aucun effet. Je te le dis. À part peut-être la scène de la fille. Ouais, là, par contre, bon. C'est pas tellement que le gore me dérange, mais c'est surtout parce que c'est la personne qui l'a subi qui me dérange. Parce que c'est une petite fille. Bah oui, voilà. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Autant l'autre qui est pendu, ça me dérange pas, quoi, mais bon. Sinon, petit Wayne, t'es pas trop dégoûté des disques sur quoi? Non, non, ça va, ça va. Tu t'imagines pas trop des choses? Non, non, ça va. Ça va? Non, j'ai fermé mes chakras et maintenant ça va mieux. Tu veux une bonne musique? Bah, de toute façon, Tain, j'écoute. tain, Non, ta tain. gueule! Arrête avec ça! Attention, il y a un requin, il va sortir du sol. Or qu'au final, le requin, c'est pas l'assassin, c'est l'homme, l'assassin. Ah bah le requin il ne fait que se venger. Ou alors, quand il te mord, c'est qu'il se trompe de cible, simplement. Oui, c'est Sayano Utai. Mais Hadès. Drist, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais je lis le commentaire de Buzz. Ah, d'accord. Ouais, Je pense Sayano qu'il y Utai, avait ouais. pigeon dans le titre. Non, 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 c'est pas ça. C'est un Il y autre, avait t'inquiète. pigeon. C'est pas Pigeon Blood, t'inquiète. Pigeon. Non, parce que bon. Bon. Attends, c'est quoi le nom du jeu? Pigeon Blood, donc sang de Non, non, pigeon. l'autre. Sayano L'autre. Utae. Bon, en gros, Sayano Attends, Utae. si c'est bien le jeu que je pense. Vas-y, tape, tape. Attends. Non, je fais de la merde. Non, le live de DS a Ah disparu! non! Ah, c'est vraiment un pigeon que tu voulais faire un jour, toi. Ah bah putain, Dres, t'es ready, hein, mon gars. Ah, parce qu'il est hardcore? Oui. Je pense que Bible Black à côté, c'est très soft. Extrêmement soft. Hein? C'est Bisounours Land. Ah! Écoute, bon. C'est intéressant d'apprendre que Bible Black, c'est le pays des Bah bisounours. écoute, autant dans Bible Black ils se font plaisir, autant là, bon. Disons que dans Pigeon Blood, je vais pas trop préciser, mais c'est très sadomaso. Extrêmement sadomaso. Je suis déjà pas bien là, tu vois. Je commence à transpirer Oh merde! là. Bon, mec, tu vas sur VNDB. Non! Non, non, je te ferai pas voir des images, juste la jaquette. Mais il n'y a rien de. Allez, Non, c'est pas. d'hardcore ni rien. VNDB. Donc Attends. c'est un peu la database des visual novels. Sur Google? Oui, tu tapes VNDB sur Google. C'est Visual Novel Database. Voilà. En VNDB, c'est ça? C'est ça. Visual Novel Database. Un peu en bas à gauche, tu as normalement un truc de recherche. Oui. Tu tapes Pigeon Blood. Bon, je pense qu'il y a plusieurs jeux, Pigeon Blood. Donc tu essaies de chercher. Pigeon.
Je pense qu'il y a un Otome du nom de Pigeon Blood aussi, mais bon. Il y en a deux. Bon, tu tapes sur un. Tu me dis ce que tu vois à l'écran. Un de 2002 et un de 2014. 2002. Tu me dis ce que tu vois. Ok. Déjà le... D'accord. C'est une fille avec un masque à gaz, c'est bien ça? Ouais, ouais, ouais. Attends, je veux voir si l'autre... C'est un otome, je pense. C'est pas la même chose. Ouais. C'est un jeu avec des hommes, quoi. Voilà. Oui. C'est un otome. Voilà. C'est un truc pour Itachi. Ne va jamais chercher des images de Pigeon Blood. Jamais de la vie. Oh, ça va, les screenshots, ils sont... Oui. Ils sont mignons. Oui. Sur eux. Alors, enfin, je sais pas, il y a marqué Showing 2 sur 4. Ça veut dire que les deux autres, c'est pas bon. Bah, clique, voilà. Non, non, clique. Ah, vas-y. Oui, oui, d'accord, j'ai compris. Qu'est-ce que tu vois? Sans préciser. Qu'est-ce que tu vois? Bah, la fille, elle se baisait, tu vois, hein. Écoute. Attends, mais je suis même pas sûr. Tu peux cliquer sur les images pour les agrandir, hein, tu veux. Oui, j'ai vu. Alors, qu'est-ce que tu vois? Quelque chose que je ne peux pas parler dans ce live, sinon le live devient pas plus 18 mais plus 50. Au pire, tu peux le taper sur. Non, même pas. Non. Bon, on a quand même des jeunes qui nous écoutent, sinon, donc on va éviter. Je pense que je tape ça, le chat explose. Tu peux me le taper. Tu vois la puissance du truc. Mec, tu peux me le taper sur Skype, par contre. Je le dirai pas à voix haute, par contre. Ça, je le promets. Attends. Mais attends, pourquoi la deuxième elle est là? Ah d'accord, ouais, enfin c'est parce qu'il y a une petite image, d'accord, mais on voit pas trop. Sur la deuxième, ok, mais... Tu comprends? Je vais dire un truc, mais... Niveau design, il est pas dégueu. Hein. Oui, en plus. Visuel. Hein. C'est pas parce qu'on te fait un jeu hyper hardcore tout ça que... Allez, le reste est tabaclé, quoi. Non, est-ce que je peux copier l'image? Je pourrais copier l'image, les mettre... Sur Skype. Tu fais ça uniquement sur Skype, s'il te plaît. Oui, sur Skype. Oui, mais je vais le faire. Et c'est avec d'un groupe, par erreur, je mets full screen. Non, on fait pas ça. Non, jamais de la vie. Là je télécharge mon live, je coupe l'image. Hein, parce que... C'est bon. Oh, mon dieu. C'est ça que j'ai vu. Tu vois? Ah, oui. Full screen. Non, c'est bon, t'as vu? Oui. Non! Mais j'ai besoin de ça pour le soir, désolé. Il est déjà en manque. Non. Yo, attends, mais tu sais, là, le... Tape sur le chat, non, les gars. Je vous jure que... Bon, autant ce serait Beeple Black. Bon, là, je veux bien comprendre, mais là, c'est Pigeon Bull, les gars, s'il vous plaît. Attends, j'ai un bug. Le chat, il revient pas sur moi. Ah, merde. Le chat veut pas... Le chat est cassé. J'ai cassé Twitch. Il a cassé Twitch, non? Il a cassé Twitch. Oh my god! Je l'ai pop-out. Non, il y a Driss qui dit... C'est quoi le deuxième visual novel que vous parliez, là? Saya no Uta. T'écris ça comment? Saya no Uta. Uta, voilà. Donc, c'est synopsis, c'est un mec, il a eu un accident de voiture, tu vois. Dans Saya, c'est S-A... Y-A. Ah. Et bah, il a eu un accident, tu vois. Et depuis, dans ses visions, il a un monde gore, enfin, organique. Saya no Uta, c'est ça? C'est ça. Ah, c'est bien le jeu que je pensais. J'ai déjà vu ce visual novel. Ah, tu l'as déjà lu ou... Vu sur Hitbox. Parce que sur Hitbox, en fait, t'as pas de problème pour faire voir des trucs comme ça. Ah. Juste pour te dire, je suis déjà tombé sur un mec qui a fait sur Hitbox le visual novel Beeple Black. Oui, c'est pas faux, Drist. La joie hein, de Hitbox. Parce qu'il n'y a pas de limitation d'âge sur Hitbox. Ah, donc on va faire du porno streaming. Oui, tu as le droit. Sur Hitbox, sérieux? Tu as le droit de le faire. Sérieux? Sur Hitbox, tu peux faire du site. Bah, comme je t'ai dit, je suis déjà tombé sur le visual novel de Beeple Black sur Hitbox. What the fuck? Je vais m'inscrire tout de suite. Non, je vais faire un streaming let's play de Pigeon Blood. Juste une question en fait là. Oui.
Visual Novel Database, c'est en fait là où tu récupères tous tes visual novels, en fait. Oui, bon, après il y a que l'affiche, hein, du visual novel, il n'y a pas le download ni rien. D'accord. Ça, pour le download, je vais chez Nia Torrents. Donc N-Y-A-A Torrents, voilà. Nia. Ouais. Généralement, c'est là où ils ont tout le visual novel et tout le bataplan. Pour les visual novels sur PSP, je vais sur Nico Blog. Généralement, il... je pense qu'il a 254 visual novels sur PSP. Voilà. Et le reste, j'essaye de voir. J'essaye de voir s'il y a un torrent ou pas. Bah, s'il n'est pas là, bah tant pis. Mais bon, c'est en de très rares cas. Voilà. Mais putain, mais... Mais va te faire foutre, Twitch. Hein. Tu commences à me casser les couilles avec le chat qui a planté. Hein. Tu veux que je te passe le chat? Non, attends. Non. Je vais charger un autre stream. Voilà, là le chat fonctionne sur ce stream. Et là, tu vas voir chez Hades, bien sûr, le chat ne fonctionne pas. Tu parles pas japonais, donc si tu jouais au Visual Novel pour le... Donc si tu joues au Visual Novel, c'est pour les deux, ou les deux, c'était pour les deux. Mais bon, disons que j'ai des potes, deux, qui habitent pas loin de chez moi en plus, qui justement quand je veux faire un visual novel bien sérieusement, bah eux ils parlent japonais donc bon, j'ai pas de mal avec eux. Avec eux c'est bien simple, c'est comme regarder un anime. Hein. Tu mets le truc en full screen, on met en auto et puis bon, voilà. On a commencé par quoi cette conversation? Quoi? Non, parce que je veux pas dire quand on arrive sur Boku no Pico, c'est vraiment qu'il y a un problème. Ah! Juste le fait de citer ce, non, ce on a truc. Quoi. Écoutez, on a parlé de pigeons de sang, donc. De pigeons de sang. Oui. Et honnêtement, beaucoup de picots, excusez-moi. Il y a beaucoup qui en parlent de ça, mais croyez-moi, à côté de certains, c'est soft. Hein. Non, franchement. Attends, putain. Non, mais c'est pas toi qui m'as marqué un truc sur Skype, ça. Ah non, non. Non, non. Ah, Satsuki. Satsuki me demande si il peut nous rejoindre. Oui, vas-y. Oui. Après, je suis content d'avoir oublié le nom du jeu. Hein. Du Qu'est-ce Visual Novel, merde. On voit ça, Skype. Disons qu'il y a un Visual Novel. Hein. Allô. Allô. Disons que il y a. Ça va. Oui, voilà. Je. J'aime bien Driss. Des petits gâteaux, rien de plus. Bah oui, des petits gâteaux. Bien sûr. Oui, je voulais partir d'un Visual Novel. Bon, je suis content d'avoir oublié son nom. Hein. Mm-hmm. Disons que c'est des aliens qui se font plaisir, hein. Bon, voilà. Déjà, rien que ça, c'est bizarre. Déjà, t'es parti sur Alien, déjà, je t'ai perdu. C'est pas le truc avec les tentacules que tu nous as montré l'autre fois, là. Non. Non. Non, déjà. Bah non. Je pense que c'est. Merde. En fait, j'essaie de trouver un truc pour essayer de pas choquer les gens, tu vois. Parce que je te jure, ce visual novel, il est extrêmement gore et extrêmement malsain. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Disons qu'il y a des gens, ils se font plaisir, tu vois. Ils se font vraiment plaisir à se faire éventrer par des aliens. Oh non. Voilà, bon, je dis ça, c'est tout. C'est tout. Il n'y avait juste pas besoin d'en parler. Et quand t'as le... C'est malsain, c'est clair. Le supplément astico dangereux. Ta gueule, Satsuki, ta gueule. Moi, j'aime pas le côté gore, mais le côté malsain, j'aime bien. Ouais. Le supplément astico. Oh non. Je te jure. Ça encore. Putain. Qu'est-ce que c'est que ça, Mais parfois, je vais sur des sites où ils remettent des CG de Visual Novel, tout Hades. Ça. Hades. Où est-ce que tu vas chercher? J'étais sur hcgame.com. Généralement, ils te font des CG pourquoi de... Pourquoi tu me donnes ça comme si j'étais intéressé d'aller le voir? Mais non. Mais ils mettent des CG de bons jeux, normalement. Non. Sauf ça. Bah oui, d'ailleurs, je pense que le... ils ont delete hein, le truc du... de ce jeu. Justement. Ouais. En même temps,
Non. Mais qu'à ces fans de Melon Pan, rien ne me choque maintenant. Dust, fais gaffe à ce que tu dis un peu quand même. D'un coup, c'est le blanc, puis personne ne parle, what the fuck. Ça va, mes petits enfants, je vous ai bien choqué. Oui, je me la teste. Toi, t'as une petite arme. Ah, maintenant, le pauvre Wayne va faire des cauchemars ce soir. Non. Il va rêver qu'il y a des aliens viennent éventrer tout le monde dans son village. C'est pas moi qui va rêver. Hein. Attends, chez quoi qu'est-ce qui emmerde Wayne, en fait? C'est con. T'es con, Hades. Merci, Samadrock. Abonnez-vous. Je vais faire comme Elion. Elle lui met des cartes hors soi, l'autre fois l'enculé. Et sur Twitter, je lui ai répondu, ah, t'es con. Il a aimé. Il en a procès Danganronpa. Mais lol. Tu te rappelles du hentai de Danganronpa où tout le monde encule l'ourson là? Pardon. Monsieur Live, il va passer plus 18, mon dieu. Enfin, il l'est déjà depuis longtemps, je pense, tu sais. Il est déjà passé plus 18 depuis au moins... je te l'avais dit dès le début, tu pouvais me foutre du hentai et mettre en Peggy 18. Peggy 18. Peggy 18. J'ai regardé, j'ai pas trouvé, putain, mais Drist. De quoi? Il a cherché quoi? Le truc que tu parlais là sur les aliens, je pense. Quoi, il a cherché? Mais je pense, oui. Tu trouveras jamais, de toute façon. Tu trouveras jamais, même si. Non, il n'y a aucune chance qu'il le trouve, de toute façon. Il n'y a aucune chance. Et même si je retrouvais tout ça, je partage pas. C'est hors de question. Déjà, je ne te souviens plus du nom. Oui, et je suis heureux de ne plus me souvenir du nom, franchement. Et je pense que, oui. Si tu t'en souviens pas, c'est vraiment que tu as préféré l'oublier. Oui, largement. J'ai vu ça, je me suis dit, j'ai vu les pages suivantes. Alors que moi, ah, puis Drist, elle ne l'a pas trouvé. Mais tu vois, à un moment, je me dis, Pigeon Blood, ça me choque plus, mais ça, putain, c'était le niveau hardcore, Omega, Supra, Atomium, mes couilles, hein. Atomium, qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Mais écoute, Atomium, dans le level de Final Fantasy, c'est une attaque puissante, donc bon, moi je dis, c'est une attaque puissante aussi. Non mais attends, on sait quand un truc est bien. Tiens, d'ailleurs, tout à l'heure on parlait de JVC, mais maintenant Atonium, il travaille pour JVC. Des fois, oui. Il fait les trucs sur les indés. Ça fait un moment qu'il... Ouais, sur les son... applications, tout ce qui est téléphone portable, je crois. Ah oui, ouais, oui. Il fait les tests. Mais... Ah oui, je me souviens du nom du jeu. Non, je rigole. Non. Vas-y, dis. Non, je te jure, je dis ça pour rire, je rigole. Et je suis bien content de l'avoir oublié, d'ailleurs. N'est-ce pas, Wayne? À moins que j'aille chercher sur le site et que je le partage. Non, jamais. Non, franchement, je trouve qu'il y a des visual novels qui se... sur le chat, je clear le chat. Oui, tu peux... Je pense que je peux... Je m'auto-ban si je fais chat, ça. Je clear le chat et je le mets en emote only. Comme ça, personne ne peut mettre le truc. Mais écoute, je suis le streamer, je peux faire ce que je veux. Vous pourrez juste mettre des capes. Oh mon dieu, oui. Cap à la farce. Ou des... Oh mon dieu, donc la farce. La thermie qui arrive. Olé, Terminator. Tell me. Alors écoute, on parlait de... Pardon. De Gangman Style. Du tout. On parlait du Gangman Style. Ouais, voilà, on parlait de la prochaine de Psy. En fait. Sodomy Style. Featuring avec Wayne. Pourquoi en featuring avec moi? Je sais pas, ça va allez, trop à tout de suite, je vais changer de jeu.